Vous n'avez pas peur de Dieu. Elle va. Ils ont tué beaucoup de personnes. Mais puis tu fais sorcellerie. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Ok, le matin. Va t'asseoir. Viens toi, la jeune fille. Mamie, comme ça tu vas faire ce que tu veux. Là-bas, c'est une jeune fille. Comment tu l'appelles? Comment on dit comment tu t'appelles en italien, c'est quoi? Monsieur Maria. Elle a fait sorcellerie quand on t'a envoyé, elle a fait sorcellerie en Italie, on l'a envoyé. Ça fait combien d'années en Italie? 3 ans. 3 ans. Et puis tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu es revenu pourquoi? C'est à toi qui parle. Pourquoi tu es venu? C'est là-bas, il se fait. Tu me connais. Hé, on t'a dit pas la fête. Tu es sorcier ou tu n'es pas? Hein? Vous vous souvenez d'elle, non? Hier, la veille, c'est qui dit on m'accuse. Je lui ai dit pardon, faut pas te dire. Toi, on t'accuse. C'est une sorcière. Oui. Qui t'a donné la sorcellerie? Ma fille. Combien t'as donné? 20 000. Je m'explique. Elle dit d'aller payer à Tiki. Je sais que tu vas payer à Tiki. On n'est pas les fort. Je suis partie payer à Tiki. Maintenant, elle dit d'aller payer qui magie. Maintenant, je suis partie payer qui magie. Elle a mis qui magie à Tiki là. Et ça, on a mangé. Maintenant, pour manger là, poisson là, elle a transformé à bien de l'homme. C'est ça, elle a mangé. Maintenant, la nuit, elle est venue me chercher. C'est ça, on est parti. Où? Oui, les sorciers. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé bien. Bien de loin. Maintenant, elle dit d'envoyer tout le monde. C'est ça, il a envoyé ma camarade. Hein? Il a envoyé ma camarade. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Nadia. Comment tu l'as tuée? Je me suis transformée à un lycée. C'est ça. Elle était à l'école. Je suis partie m'asseoir. Parle fort, hein. Parle fort. Elle était à l'école. C'était je me suis transformée en hibou. Maintenant que je suis arrivée là-bas, là, c'était je me suis transformée en l'homme. Maintenant, il a posé ma main sur son cou. À l'école là-bas. Oui. Donc toi, tu fais dans la journée, tu fais dans la nuit. C'est ça, il a pris son nom. Il la regarde. Oui, tu as fait quoi? C'est ça, il a pris son nom. Oui, comment tu as pris son nom? Elle était à l'école quand tu prenais l'âme là? Elle était à l'école. C'est ce que je me suis transformé à Dieu. Je me suis parti, je me suis transformé à l'homme. Maintenant, c'est ça, il a posé ma main. Où? À l'école, sur sa tête. Sur sa tête? Oui. C'est ça, il a dit son nom. Tu as dit son nom, oui? 3 fois. C'est ça, il y a un neveu. Je suis parti. Tu as neveu quoi? Il y a neveu son âme. Maintenant, je suis parti. Tu m'as pris là-bas. Où on fait l'hôtellerie. On est parti là-bas. Et ça, on a transformé en cabri. C'est ça, il a aubergé. Et puis, on a mangé. On a préparé sauce. Sauce graine. C'est ça, on a mis. Maintenant, elle dit, j'ai envoyé mon petit frère. Maintenant, j'ai envoyé mon petit frère. Elle voulait tuer.
frère est blessé, que le papier va tuer. Et envoyer d'autres personnes. Maman, le matin, la nuit, 15 dollars. On la prend son nom. On détruit la zone dessus. Je n'ai pas bien compris. Parle fort, tu dis quoi? La nuit, on prend l'âme de maman. Quand on arrive là-bas, là, on transforme ça en un genre de table. Et ça, on coupe les zones dessus. Non, explique bien. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Moi, je n'ai pas su. Elle a fait quoi? Tu dis que tu as fait quoi? La nuit, qu'elle dort là. Qui dort la nuit? C'est maman. Hein? On prend son âme. Donc, vous prenez l'âme de ta maman. Oui. Tu prends ou on prend? Je prends. Quand tu dis on prend, c'est comme si tout le monde était. Oui. Je prends. Quand on arrive là-bas. Là. Comment tu arrives à prendre l'âme de ta maman pendant qu'elle dort? Qu'elle dort la nuit, mais au chevet du lit. Pendant qu'elle dort? Oui. Et tu dis quoi? J'ai dit son nom. Trois fois. Trois fois? Et puis il y a neuf son âme. Ça fait quoi? Il y a neuf son âme. Maintenant, arrivé là-bas, là, on fait comme ça. T'as pas ménagé là-bas? Parce que c'était ça. T'as pas ménagé là-bas? Si c'est maman là pour nous faire table à manger. Ouais, elle tape pour découper la viande. Est-ce qu'elle a dit, hein? Il ne faut pas manger pour découper la viande. Elle est où? Elle est en Italie. Ah oui? Maintenant qu'elle se lève là, elle dit son corps la peau. Ah, quand elle se lève matin, son corps? La peau. Maintenant qu'elle se fait là-bas la maison, elle dit les gars du monde. Qu'elle se fait ici, elle dit c'est parti au village. Non, étant en Italie, tu pratiquais la sorcellerie. C'est elle qui m'a dit de venir. Ah. Tu réponds à ma question. Étant là-bas, tu continues de pratiquer la sorcellerie. Hein? Oui. Oui. Comment? Quand elle était là-bas, elle vient là-bas pour me chercher. Donc là-bas, on peut quitter ici pour aller là-bas. Comment on peut quitter là-bas pour venir encore en Afrique? Explique-nous. Elle se transforme. Non. Réponds ma question. On peut quitter l'Italie en sorcellerie pour venir en Afrique, c'est ça? Oui. Comme quitter l'Afrique pour aller là-bas. Oui. Comment? Comment vous arrangez? Vous faites ça comment? Elle se transforme. Toi, tu te transformes en quoi? Tu fais. Tu viens d'Afrique. Tu viens de manger et tu repars. Quand tu cherches viande. Donc la nuit tu chasses. Tu chasses la nuit. Tu chasses la viande la nuit. À quoi ou bien? Tu dors pas pendant que les gens dorment, toi tu chasses la viande. Je veux dormir. Elle ne veut pas que je dorme. Mais tu dis laisse-moi. Ça se dit pas là-bas. Ça se dit. Ah, mais pourquoi? Ça t'a pris goût? Tu sais que c'est doux. Tu vas me dire non, quand il veut dormir, il veut dire, tu vas dire que tu manges bien. Ils aiment bien accoucher les autres, c'est pas moi, c'est elle qui a fait. Tout là, tu manges. Quand tu manges, pas d'où? Ah. Quand tu manges sans graine, hein, tu as fait sans graine ta camarade, c'était pas d'où? Elle a dit non, il ne mange pas. Donc tu quittes l'Afrique, et puis tu viens manger là-bas, en fait, tu chasses la viande. Comment vous chassez de la viande? Vous chassez, vous, comment? Elle est transformée en Afrique. Qu'est-ce que tu as gâché dans la vie, à part prendre ta maman, faire table, découper la viande là? Qu'est-ce que tu as gâché dans sa vie? Je n'ai rien de gâché. C'est tout ce que tu fais? J'ai gâché ma tante, elle était au village. Ta tante? Elle a côté de nous. Elle plantait les trucs là, les bonbons, les trucs. Maintenant qu'elle plante là, la nuit, je me transforme. En quoi? En souris. En souris, oui. Et puis, je me fais pousser dessus. Dans le gombo, là? Oui. Pour gâter le champ? Oui. Et puis, après, quand il finit de gâter, là? Pas quoi? Et puis, après, quand il finit de gâter, là?
je m'en vais à la maison. Pendant que j'étais en Italie, là, je ne dormais pas. Quand je me réveille, à tout mon corps était mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, tout ton corps tremble? Tu peux sortir la nuit? On t'arrange. Elle vient m'appeler. Elle dit quoi? Elle vient, elle dit laisse-toi. Elle me prend le temps comme ça. Arrivée là-bas, elle a son fils. Elle dit prends ma petite, mon petit frère pour me voyer. Maintenant, elle ne voulait pas prendre mon petit frère. Elle fait appeler ma camarade. Et elle a transformé ma camarade à sa brique. Arrivée là-bas, là, c'est elle qui a bougé. Non, ça, tu as déjà dit. On a déjà entendu ça. On est sur les gens que tu as gâtés. Mon petit frère. Tu as gâté quoi dans la vie de ton petit frère? Quand il dort la nuit. Tu es de quelle région? Non, non, non. Ça, celle-là, je demande. Ok? Ça, elle chante de m'adresser. Ok? Tu es d'où? Elle s'explique bien ou voulez parler à sa place? Comment tu es venu confesser à sa place? Hein? Vous faites en sorcellerie ensemble? Hein? Ne l'influencez pas. Elle est en train de parler. Elle s'explique bien même d'ailleurs. Allons-y. Quel village? Dami. Hein? Dami. Ok. Quelles sont les gens de ta gâchée? C'est mon petit frère. Quand il dort la nuit, je me couche à lui. Tu le prépares comme cheval pour aller? Non. Il n'est pas ton cheval de sorcellerie? Hein? Oui. Hein? Oui. Hein? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Si tu le couches à lui. Je le transforme. Et puis il monte sur le pied son bas. Il est ton cheval? Oui. Tu as fait quoi encore? Vous allez vous blesser, vous qui dormez là. J'ai vu la terre à faire comme un essai, j'ai dit, ça te blesse. Elle a dit que ça fait, tu danses et tu dis tout bien. Ça te blesse, hein? Ça te blesse. Oui, alors? C'est un monsieur là, il est au village là-bas. Il s'appelle Yahoo. Parle fort, il est au village chez vous. Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Yahoo. Mm-hmm. Il partait au champ. C'est ce monsieur transformé. Il n'a pas pu lui parler à son ami. C'est ce monsieur transformé en souris. Quand il a transformé en souris, il a fait une chose là-bas, il me suis transformé en l'homme. C'est ça, il a mis ma main en bas de ses pieds. C'est ça, il a dit son nom trois fois. C'est ça, son âme est sortie. C'est ça. Qu'on a vu là-bas, là. Il a transformé ça en mouton. Et ça m'a tant à grossir. Et puis on a préparé sauce arachide. Bon, les grains, hein. Sauce graine, sauce arachide. Vous n'avez pas de régime là-bas. Et ça, on a mangé. Tu fais quoi encore? Il a tué une de mes camarades. Il va à l'école avec elle. Où? Au village. Elle s'appelle Nadia. Elle était à l'école. C'était monsieur consommé en Égypte. Maintenant, quand on a vu là-bas, quand je suis arrivé là-bas, monsieur consommé à l'homme. C'est ça, il a dit son nom. Oui, mais ça, tu as déjà dit. Bah, Cabri, là, c'est la façon à Cabri, là. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas encore dit. Tu as peur de dire. Je veux que tu expliques ça aux gens. Clairement, pour qu'on te délivre de ça. Explique-nous, clairement. Tu regardes les gens comme ça, puis tu les envoies, tu couches à toi. Quand ils ont le contact avec toi, tu prends la chance. C'est pas ce qu'il a dit. Tu n'as pas ça. Merci. Alors, dis ça. Hein? Tu l'as réalisé quand dans le contact, tu touches ton corps net, tu prends tout ce qui est en eux. Faut expliquer ça? Faut expliquer ce que tu fais? Ce qui est fait là, il regarde Ça fait quoi? Il regarde Alpha.
Il regarde les yeux des gens. Vos yeux qui brillent. Tu fais quoi? Il regarde les yeux des gens. Quels gens? Les filles, les hommes? Tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire quoi? Faut bien expliquer. Fille, garçon. Et enfant. Quand il les regarde là, tout ce que ça laisse partir à sa vie en nous. Mais tu n'arrives pas à. Quand tu regardes quelqu'un, un homme comme ça, tu l'attires. Hein? Tu l'attires vers toi. Quand vous partez coucher ensemble, quand sa poitrine te touche, tu récupères toute sa chance et tu vas mettre dans votre canari. Hein? C'est ce que je veux que tu expliques. Clairement, explique ça. Je regarde la personne. Et puis, il attire ce qui appartient à la personne. Non, tu attires la personne vers toi. Il attire la personne vers moi. Maintenant, il prend ce qui m'appelle. Non. Il faut bien expliquer. Tu peux aller prendre comme ça, vite. Qu'est-ce que la personne fait d'abord avant que tu récupères la chose? La personne peut me regarder. En regardant. Tu lui donnes envie de coucher à toi. Oui. Hein? C'est ça, moi, je ne sais pas quoi expliquer. Tu donnes envie de coucher à moi. Il te couche, maman, ton numéro. Je ne donne pas vite de coucher à l'envoûté. C'est un envoûté. Il est devant ta porte. Maman, clin. C'est envoûtement. Envoûtement, c'est comme maladie. Oh. Tu peux même te coucher devant la porte de la personne. Tu es envoûté. Ils sont derrière moi. Ils prennent mes numéros. Hein? Ils prennent des numéros. Les garçons, quand ils me regardent, hein? Ils prennent mon numéro. Parle-toi. Ils prennent mon numéro. Oui, écoutez très bien. Hein? Ils prennent mon numéro. Maintenant, ils ne voulaient pas accepter. Comment ça? Et puis, ils sont derrière moi. Il y a des gens qui acceptent. Il y a des gens qui acceptent pas. Et puis, ils sont derrière moi. Tu n'as rien expliqué. Hein? J'ai pris son numéro, il accepte, il accepte pas. Ça, c'est pas sorcier. Quand on m'appelle. Toutes filles font ça, toutes les filles font ça. Quand on m'appelle là. J'ai dit, ce qui est en toi qu'on appelle sorcellerie, ça regarde un homme, et puis ça donne l'esprit de sédition. Le monsieur vient vers toi, couche à toi. Quand son corps te touche, tu prends sa chance. Faut bien expliquer ça. Quand le monsieur me regarde là, quand il me touche là, il apprend ce qui lui appartient. Tu as compris le français? Bien. Tu parles italien. Nous aussi, on ne maîtrise pas l'italien. Elle dit que si tu ne comprends pas français, tu parles italien, tu la comprends. Elle parle bien italien. Elle parle pas bien. L'italien de la. Il apprend ce qui appartient à la personne. Quand la personne me prend, la personne me sent que je moi. Il prend ce qui appartient à la personne. La chance de la personne, c'est la ça? La chance de la personne. Maintenant, quand il n'y a plus rien, il y a un canari. Vous mettez ça là-bas. On met ça là-bas. Mais pourquoi hier tu venais comme ça? Tu dis, je suis venu, ma sens m'a accueilli. Tu dis, je suis sorcier. Hein? Non, pourquoi il y a dit ça? Ma tante m'a cuit de sorcellerie. Pourquoi tu disais ça hier? Non, réponds à ma question. Hein? De qui? Tu as peur de qui? Non, ici on t'a frappé, on est parlé. Hein? C'est sorcier en train de délivrer les gens. Tu viens, tu dis non, je suis venu, ma tante m'a cuit de sorcier. Dans tes sorciers. Tu viens quoi? Je veux délivrer. De quoi? De la sorcellerie. De la sorcellerie. Qu'est-ce que tu as gâché dans la vie de ta maman? Tu n'as pas encore tout dit. Va t'asseoir. Tu vas réfléchir, demain matin, tu te reprends. Ce que tu as gâché dans la vie de ta maman, là. C'est pas fini. Hé, la vieille, viens. Non, pas lui. Je ne veux même pas qu'il vienne traduire. Non, pas lui. Non, reste là. Prenez son portable, ça peut distraire. Non, le portable. Tu peux venir, toi, traduire? Je dis non.
Tu es sorcier? Je vais me mettre là comme ça, je vais t'écouter. Mets-toi là. Mets-toi là. Tu es sorcier. Elle vit. Il faut lui dire que j'aime bien les questions, puis reprendre ça, répéter ça plusieurs fois. Alors, vous venez, vous venez. Comment elle a eu la sorcellerie? On l'a pas pu. Comment? Comment? On a dit bon année avec vos voix. Elle est convaincue qu'elle a la sorcellerie. Qu'est-ce que l'appelle la sorcellerie? On a kagabouti. Pour faire quoi? La nuit est faite pour dormir. Toi, tu étais même nuit pour partir. Tu fais quoi? Quel travail? Les sorcières, deux problèmes. Deux, le nombre des gens qui vont tuer ne disent pas ça facilement. Et les membres de leur concurrence ne disent pas ça. Si elle dit, elle sera délivrée. D'accord. On a mis à vous parler du son. Nous en bas, à Poignity, du diamant, à Biassim, en bas. Les barbares, nous en avons un papa de la tête dans la condition. À Poissou, on va signer tout à Goya, voilà diamant. J'ai demandé, est-ce qu'elle a tué Alba? Alba. Ok. Donc dites-nous les gens qui t'attendent. On dit Alba. Elle a dit. Non, 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 non. Abuja, don't talk about it. I'm glad you're talking about it.
sa propre maman. Mm-hmm. Ah bon, bon. Comment elle a tué? Quand elle a battu tout. On peut dire hier. Il y a beaucoup de gens pour bouger, mais on n'est pas dans la maison. On parle. Elle a compté en elle, pour lui dire ça. Moi j'ai vu ça aussi. On a mis un fils, abri Guy. Elle a ça en elle. Guy, abri Guy, elle est Guy. Qui est Gouet Guy, abri. Tu as ça? Elle est mal. Ah, il a vu ça? Elle a ça? On a bien vu. Faut pas dire elle est dépendre. Tu l'as tué, tu t'es planté. Elle a ça, cette sorcellerie là. C'est pas une petite sorcière, elle a ça. Voilà, c'est bon, tout le monde. T'as dit, abri Guy, abri Guy. Je l'ai délivré la tête. C'est le seul esprit qui reste seulement. On a abri Guy, mais il n'a tout à jouer. C'est ce qui reste. À sa bise, on voit tout. Oui, il n'y a pas maman. Avant le tournoi, on voit. J'ai bien maintenant. Oui, mais on monte. Je vais me faire un peu de temps. C'est tout. Faut parler des gens qui sont récents. Quels sont les gens que tu as gâtés? Faut pas tourner un nom, j'aime pas les trucs comme ça. Tu en as pas pensé. Les gens que tu as gâtés. Quels sont les gens que tu as gâtés? Elle a prié son fils. Je suis en train de te délivrer. Moi, je comprends ton langage, c'est codé. C'est rien qui ne comprend pas. Moi, je comprends bien ton langage. Ce que tu as parlé, là, j'ai compris. Ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Donc, il faut dire que, clairement ce qui se passe. On a ça. Toi, tu sais prier, puis tu es sorcier. Elle a prié dans sa prière, elle t'a vu en vision. Tu joues comme il y a qui? On a mis à sa vision. Toi, tu es visionnaire. Demande-lui, elle est visionnaire. On a bougé, Dia. Dis clairement ce qui se passe. J'ai prié, j'ai vu dans vision, tu coupais. Toi, tu es visionnaire. Tu as visionnaire aujourd'hui. Non, mais faut dire la vérité. Tourner la vérité. Elle dit, c'est elle-même qu'on découpe. Oui, et puis tu as fait quoi encore? On a l'esprit de sommeil à gagner la salle. Avant de découper, tu as gâché quoi dans sa vie? On a mis un. Arrêtez, ça veut dire. Non, le juge, ils m'ont mis en prison. Voilà. Et celle-là, c'est à partir de là, celle qui a fait ça, ils m'ont mis en prison. Et celle-là, maintenant, c'est la partie de là, maintenant, on m'a gâté. Tu as fait qu'ils m'ont mis en prison. Tu as fait comment? On a gagné. On contrôle ma vie, on copie, c'est tout. On copie, maintenant. Donc, on va voir.
Elle dit, comme elle ne veut pas me tuer, ça vous m'a mis en prison pour que ma vie soit... Mais maintenant qu'il est la marmite. Ah, on peut pas. Et son argent. On a ni amouni. Amouni, ça vient de l'humain amouni. Ah, mais c'est ce que je veux que tu dises. Avec précision, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça dans ma vie. Donc on a ni amouni. On a gagné la monnaie, ça. Elle dit, elle est son côté, ses frères, ses soeurs, ses oncles, plus moi aussi mon côté, côté papa, les restes associés, et puis prendre mon argent, je vais s'associer. Ce que toi tu as fait, c'est ce que je veux entendre. Ce que toi tu as fait, c'est ce que je veux entendre. Ah non, il va plus bon. Il va y en avoir du tout. À part lui, tu as gâté qui? Mais tu m'as parlé. Non, elle dit effectivement. Elle veut pas le tuer, ça pousse. Faut dire ce que tu fais. Répète encore. On a dit à nous, les gars. Maman. Faut dire tout. Ah, j'aime tout, les gars. Les enfants, tu as gâté. Ah, j'aime quand même. Donc, au cadre, on se dit. Sinon, si tu meurs, personne ne va faire tes funérailles. Très bien. Non, je l'ai dit ça, hein. Oui, mais je suis pas en train de m'amuser. Moi, là, c'est vrai que je vous délivre des ordonneries. Mais si tu n'as pas tout dit, tu vas tomber. Si tu ne dis pas tout, tu vas tomber. Alors, bah, c'est que tout et là. Si tu tombes, tu vas parler. Si tu es tombé, celui qui a fait tes funérailles, on va t'enterrer, mais pas les funérailles. Ah, pour lui, on a nié.
basse mouya que tout basse a été gagné bagat bamé on se bloque pas pour dire quoi au moins on a une bouche se bloque pas pour dire quoi les mouliers qui pas pour dire quoi ils ont donc à zaya que tout n'a pas dû apparaître à l'union c'est direct on va que tout n'a pas à dire donc à nous tout à l'heure à nous tout à l'heure à pas pour dire il y a mon cousin qui est mort, c'est-à-dire elle est son petit frère. Oui. Lui il est mort déjà. Oui. Son fils. Mort dans le mois passé, c'est passé là. Elle dit c'est elle. Son fils est mort le mois passé. Comment il s'appelle? Béli, ça s'appelle Béli. C'est toi qui l'as tué. Mon ami. Comment tu viens, tu as une panté en toi. On a fait 10 mois, oui, 10. Elle est très terrible. On a mis en fort, on était Yabou. Elle est forte. Elle est parlée au tout. Elle dit, n'a pas un père d'appui. Ah, vous avez dit. Allez! J'ai vu la langue de la pompée là tout à l'heure. Tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps. Au nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps. Tu vas quitter ce corps dans le nom de Jésus. Tu m'entends? Quitte ce corps. Lâche-la. Qui vit en elle, quitte son corps. Quitte son corps. Quitte. Au nom de Jésus, lâche-la. Quitte son corps. Tu vas partir en libérant ce corps. Tu vas libérer ce corps par la puissance qui est dans le sang de l'agneau, par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu vas libérer ce corps. Nom de Jésus. Pas. Pendant qu'elle parlait, sa figure se métamorphosait. Bien. Celui qu'elle a tué, comment il s'appelle? Oui, Esther. Non, 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 non. Elle dit, elle est tombée malade. Comment elle a tué? Elle a dit, c'est pas comme il est tombé malade. Ah, ok. Non, maladie, on met ça sur l'homme. Ah, ok. Mais on elle, elle a dû faire une pratique pour le tuer. D'abord, on a un de vieux qui a eu le bas. Il a ses mots. On essaie pour la jeune année. D'un cas, ma fille, c'est la jeune fois. Car elle est vraiment fausse, c'est tout. Elle dit, c'est mort, elle a mort. Ah, voilà. Pour le tuer. On a mis un numéro. Ah, vas-y, ça va, on a mis un numéro. Mais tu dis pas ça? Ah non, mon numéro, on a mis un numéro. Va t'asseoir. Nous allons tous nous tenir debout, tout le monde. Tenez-vous debout.